Plus petit, plus léger, plus âgé, contraint de boxer à l'extérieur. Yuan Duopa a comme toujours tous les éléments contre lui. Son adversaire, le colosse finlandais Robert Hellenius, est plusieurs fois champion d'Europe, invaincu en 10 ans de carrière et visiblement affamé. Face aux 2 mètres et 120 kilos de Robert Hellenius, Yuan Duopa accepte d'entrer l'épreuve de force. Il prend des coups, mais il encaisse. Et il remise aussitôt avec de puissantes droites. Pas un seul journaliste ne l'accompagne. Pas une télé française ne diffuse le combat. Peu lui importe. Duopa s'est toujours construit dans l'ombre et il n'est jamais si fort que dans l'adversité. Alors que la 6e reprise atteint un sommet d'intensité, Yuan Duopa envoie une lourde droite qui électrocute Robert Hellenius. Le Finlandais ne s'en relèvera pas. Durement touché, il subit la première défaite de sa carrière face à un adversaire qu'il croyait à sa mesure. Yuan Duopa n'en finit pas de surprendre et de progresser. À 35 ans, le Rocky de Picardie confirme qu'il est désormais l'un des tout meilleurs poids lourds du monde.